Paternus. Il l'a dit, l'ophtalmologue, il a dit, il faut sortir dehors. Mais oui. Ah voilà, mais qu'est-ce que je fais? Moi, j'obéis. Mais bien sûr, vous avez raison, vous êtes au garde-à-vous. Mes lunettes, ouais. Le truc de rando, Albéric, il est prêt, regardez-moi ça. Oh. Alors, on randonne, évidemment, si on a l'habitude de randonner, ça va être quelque chose qu'on va avoir envie de continuer avec son bébé et avec ses plus grands. Si on n'a pas trop l'habitude et qu'on a envie de s'y mettre... I'm here for the good conseil. Alors, on va éviter de monter trop haut. Si on pense randonnée, on pense souvent montagne. On va éviter de monter trop haut avec un bébé. On reste en dessous de 2000 mètres. Généralement, de toute façon, c'est ce qu'on fait avec un bébé de moins d'un an. D'accord. Sinon, évidemment, tétine, si on a les petites oreilles, on le fait boire bien souvent. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Il y a souvent des tableaux avec les altitudes, mais finalement, les enfants qui naissent là-bas, ils n'ont jamais eu aucun souci. Oui, c'est ça. Ah non plus, mettre la rate au courbouillon. Alors, on porte avec quoi? Ça va dépendre de soi, ça va dépendre du type de randonnée, ça va dépendre de son bébé et de son habitude. En fait, évidemment, pour les tout petits, on va nous dire l'écharpe de portage, c'est le plus physiologique. Oui, c'est vrai que c'est le mieux, c'est là où le bébé va être le mieux, sauf qu'en été, une écharpe de portage, un petit peu chaud, on peut avoir un petit peu mal au dos, etc. Donc, je vous ai sélectionné des porte-bébés dits physiologiques qui vont permettre de porter son petit Albéric de manière confortable. Et pourquoi je les ai sélectionnés? Parce qu'en plus, je ne sais pas vous, mais moi, la chaleur, je ne supporte pas. Donc, je vous ai sélectionné des porte-bébés qui vont en plus vous éviter de suer avec, sur votre bébé. Donc, le premier que je vous ai pris, c'est le... One de chez Love and Carry, oui, c'est le One il Cool. Il est classieux, hein. Sublimissime, vous voulez dire. Celui-ci, alors j'en ai deux modèles, j'ai celui-ci, c'est dès la naissance. Avec donc, des sapins et tout dessus. Bah oui, bah on est en rando, on ne l'est pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc vous allez voir, donc il s'installe, claque, comme un porte-bébé. Attendez, je prends Albéric, hop, hop, hop. Non, je ne prends pas Albéric, j'installe déjà mon porte-bébé, parce que je suis sympa. C'est ça, le donc, classique là, Albéric vous attend dans son petit transat. Oui, il nous attend, il est dans les bras de quelqu'un d'autre, oui. Bien entendu. Donc on l'attache comme un porte-bébé. On va le régler, vous allez voir que comme c'est pour dès la naissance, on va pouvoir régler la assise au plus bas. Et puis, bah, Albéric, on parlera de ton équipement après, Coco. On va le mettre en porte-bébé. Et puis, on va surtout, vous allez voir, pouvoir l'installer tout à fait bien. La différence de ce porte-bébé avec les autres, c'est que, on va pas bien le voir ici, mais la ceinture, elle va venir se positionner sous ses petites fesses pour maintenir une bonne position. Et surtout, pardon Albéric, mais il faut que je vous montre quand même quelque chose d'important. Ça, mais avec mon chat. Mais oui, bien sûr. Et regardez, en fait, l'intérêt de ce porte-bébé, c'est qu'il a une petite zipette qui là va libérer, on va avoir du petit filet, ça va être aéré. Il n'aura pas trop chaud. Il n'aura pas trop chaud et vous non plus, vous n'allez pas avoir trop chaud. Donc on a la petite ceinture, évidemment, qui va, la petite capuche qui va protéger du soleil ou de la pluie si vous n'avez pas de bol et que vous avez un karma météo moisi. Et surtout, on a cette petite zipette filet qui va vraiment permettre au bébé d'être à l'aise. Donc il y a plein de gens qui me disent « Ah, je vais avoir un tout petit bébé cet été, est-ce que je peux porter ?» Oui, avec le One de Love and Carry, le One Cool. Je vous le dis. Donc on a le modèle pour plus grand. Attendez, je vous fais ça d'ailleurs, rando ou pas rando Ah bah oui, rando ou pas rando. En fait, l'idée, c'est ça, le porte-bébé physio, c'est vraiment ça. L'idée, c'est qu'on va avoir un porte-bébé qu'on va pouvoir ensuite réutiliser, pas que en randonnée. Ça va être très confortable. Portage ventral, portage dorsal, c'est quelque chose qui va nous suivre. Pour celui-ci, jusqu'aux 15 kilos. Pour celui-ci, encore même un peu plus. Ah ouais. Vous voyez, on est bien. Un autre que j'aime beaucoup, alors il y a dans ces modèles-là, il y a le Boba, il y a le Physio Carrier, je vous renvoie vers... Déjà pour les enfants plus grands, genre oui. 5, 6, 7 ans. Eclo Toddler, c'est ah ce ouais. que Toddler, ça veut dire bambin. Il y a toute une série, je vous renvoie chez les petits baroudeurs ou chez Maman Naturelle, qui propose justement, et chez Nature You, chez qui j'ai trouvé ça, qui propose justement en fonction du poids de votre enfant. Et les porte-bébés pour bambins sont super bien aussi. Là, c'est chez Ergo Baby. Celui-ci est pas mal non plus si justement vous voulez quelque chose qui vous soulage un petit peu. L'avantage de l'Ergo Baby, vous voyez, il est complètement modulable de partout. Alors on a une assise qui est un tout petit peu moins physiologique pour certaines positions. Il propose le portage face au monde. Moi, je suis pas fan, surtout en randonnée. En revanche, on va pouvoir l'orienter un petit peu comme on veut. Et la petite assise pour le... Vous n'êtes pas fan, juste que je comprenne. Le face au monde, alors ça sollicite extrêmement le bébé qui est un peu... Il va bien, on a l'impression qu'il va bien aimer, mais ça va être trop pour lui. Et puis en plus, en randonnée, pour moi, il y a une question sécurité très clairement. C'est-à-dire que le bébé, il est comme ça, oui. face au sol. Quoi. Oui, c'est quand même un petit peu... Voilà. Donc, en règle générale, on évite le portage face au monde et ça déboussole un petit peu les bébés. En tout cas, l'Omni de 360 de chez Ergo Baby, c'est aussi une valeur sûre. Elle est un tout petit peu plus onéreuse, mais en tout cas, c'est très sympa. Et dernier moyen de portage que j'aime beaucoup, mais là, c'est vraiment... Les gens vont me dire, oh, c'est pas physio, c'est pas physio. Mais c'est quand même très confortable. Et si on fait de la grosse rando, c'est très bien. Ce sont les porte-bébés dorsaux, les sacs à dos. Vraiment vous écrire oui. ça
Les gens m'écrivent pour ça, sachez-le, ma vie est passionnante. Donc, les porte-bébés d'Orso, là aussi, les nouveautés sont chez les petits baroudeurs, ils sont spécialisés là-dedans. J'ai pris le Osprey, c'est mon préféré, pourquoi? Parce que c'est le plus confortable pour le porteur, et moi je pense un petit peu qu'à ma gueule, pardon. Ah, donc, sûr. On installe son bébé à l'intérieur, certes, c'est hyper confortable pour lui aussi. Il n'est pas très lourd pour un porte-bébé dorsal, donc ça, je valide. Évidemment, on est très très bien installé, tout est moelleux. On va avoir à l'intérieur la petite, le petit auvent si jamais il pleut. On a, vous le voyez, un confort extrême pour le porteur. Donc là, tout est rembourré, le dos ne subit aucun choc. On a une ceinture ventrale qui est bien large, on est hyper confortable. Il y a énormément de poches et surtout, il y a aussi un sac à dos, un vrai. C'est-à-dire que si vous allez en rando tout seul avec votre bébé, mais vous avez quand même un sac à dos pour mettre des trucs dedans. Parce que votre pique-nique, une fois que vous avez votre petit truc, vous le mettez où ? Nulle part. Là, vous avez tout. Ça, je vous le recommande si vous faites de la grosse rando, si vraiment vous allez marcher longtemps. Et à partir du moment où votre bébé se tient bien. J'aime pas le faire bien 6 mois. Je trouve que vers 9 mois, 1 an, c'est bien mieux. Le bébé est bien, il profite, il voit plus haut aussi, il profite de la vue. Je termine avec une dernière chose. On protège bien son bébé dans un sac à dos, que ce soit en portage physio ou dans un dorsal. C'est-à-dire la tête-tête. Sauf si on a mis son petit auvent. Les lunettes, on en a parlé tout à l'heure, donc des lunettes adaptées au bébé catégorie 3. Et on pense aussi à bien l'hydrater. Et puis lui, comme il en rame pas une quand même dans son sac à dos, on pense à le protéger. C'est-à-dire qu'on lui met une petite polaire, un petit coupe-vent, quelque chose comme ça, pour qu'il soit bien au chaud, parce que quand on ne bouge pas, eh bien on a tendance à se refroidir. Là aussi, c'est shopping chez les petits baroudeurs, ma passion.